une partie peut-être probablement un peu plus gynécologique et une partie plus urologique. Donc, je vais peut-être laisser en fait la parole à Renaud pour introduire Xavier et les deux Xavier, Fritel et Defieux, sur la prévention de l'incontinence du postpartum et la prévention du prolapsus. Et puis après, d'ailleurs, aussi Thibault sur les complications de l'hystérectomie. Renaud? Renaud n'a pas mis son micro. Ben, si Renaud n'a pas mis son micro. Je suis là, mais je n'avais pas prévu de modérer. Excusez-moi, j'étais un peu en backup, mais je me connecte. Donc, je te Parce que propose Michel. de modérer la partie plutôt gynécologique et puis moi plutôt la partie urologique. Oui, sans problème, je suis là, pas de problème, merci. Donc, Xavier, ah, il est parti. Xavier Fritel qui va nous parler donc de la prévention de l'incontinence du postpartum. Donc, il y a trois questions qui ont été préparées. Oui, je vois, je les découvre maintenant. Jean-François, merci de commencer par la meilleure partie finalement. Alors, quid de la rééducation pendant la grossesse pour prévenir l'incontinence? Eh bien, honnêtement, je suis très perplexe. On a des essais du nord de l'Europe, en Angleterre et dans les pays scandinaves qui étaient positifs sur la prévention, en sachant que cette prévention ne durait pas dans le temps. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord que après 6 mois du postpartum, on n'a plus d'effet préventif rémanent de cette prévention. Mon interprétation pour ces essais, c'est que c'était des régimes d'entraînement musculaire intense et qui c'était aussi très différent de la rééducation comme on l'a fait en France, puisque c'est des classes de rééducation, comme selon le protocole de Caribou. Je vous rappelle que l'essai qu'on a fait en vie courante en France 3PN était négatif et très probablement par manque d'adhérence, puisque c'est aussi quelque chose qui est bien connu par les rééducateurs, c'est que il faut être adhérent, il faut croire, il faut avoir des symptômes pour s'astreindre à des exercices de contraction multiples. Et c'est peut-être une limite de la prévention par la rééducation. On te laisse enchaîner, Xavier. Je suis désolé, je connais pas très bien les règles du jeu, donc je m'improvise. Alors, Donc, j'enchaîne. on te laisse Alors, enchaîner, je crois, sur les 3 questions, d'après ce que j'avais compris, Xavier. bon. Les modalités d'accouchement chez une femme opérée d'une incontinence urinaire d'effort, les données qu'on a, c'est sur les bandelettes sous-urétrales. Je vous encourage à aller regarder sur le site de l'ICS un résumé qui avait été choisi pour être présenté juste la semaine dernière et une nouvelle série qui montre qu'il n'y a pas d'inquiétude d'aggravation de l'incontinence urinaire quand on accouche par les voies naturelles après une bandelette sous-urétrale. Donc il n'y a actuellement aucun signal inquiétant sur l'accouchement naturel après bandelette sous-urétrale, avec une limite néanmoins, c'est que le plus souvent, les femmes qu'on opère ne seront pas enceintes et n'accoucheront pas. Donc c'est pour ça que les données sont très parcellaires, parce que très peu nombreuses. C'est vrai aussi, hein, pour... Oui, vas-y, je t'en prie. Voilà, juste pour discuter, si je peux intervenir là-dessus, effectivement, c'est les données qu'on a. Xavier, tu l'as rappelé, mais je pense que ça reste quand même important de dire que quand on voit ces femmes-là sur des consultations de préconceptionnelles avec une incontinence urinaire d'effort, une indication opératoire, nous, en tout cas, très souvent, on leur demande de terminer leur maternité avant de les opérer. Donc, la résultante est ce que tu viens de dire. C'est que finalement, on n'en voit pas tant que ça qui sont dans la situation d'une bandelette sous-urétrale et d'une grossesse ultérieure. C'est pas seulement le hasard, c'est aussi parce que c'est des patientes qu'on conseille en général dans ce sens-là, à qui on leur refait faire la rééducation, on utilise éventuellement des systèmes de tampons intravaginaux pour le sport, etc. Donc c'est vrai que la situation ne se retrouve pas très souvent, parce que quand on avait regardé quand même, nous, dans un travail qu'on avait fait, il y a quand même des patientes qui récidivent leur incontinence urinaire après la grossesse, pas d'ailleurs forcément due à la voie d'accouchement.
Et donc, ça peut poser un problème, non pas pendant la grossesse, mais de récidive d'incontinence après la maternité. Alors, il y a deux points qu'il faut discuter là-dessus. Un, c'est, moi, ces données rassurantes et retrouvées par d'autres équipes peuvent nous faire évoluer dans le paradigme de dire terminer votre famille avant d'être opérée, en particulier quand l'incontinence urinaire d'effort a un retentissement important, parce que finalement, il n'y a pas d'opposition à prendre le risque plus tard. Et deuxièmement, sur ton risque de récidive, ça pourrait être lié à l'insuffisance sphinctérienne. Et l'insuffisance sphinctérienne, comme vous savez, c'est pas lié au mode d'accouchement. C'est un des mystères des liens qu'il peut y avoir entre grossesse et incontinence urinaire d'effort. On ne sait pas très bien d'où vient cette insuffisance sphinctérienne. Donc, les anciennes séries où on sortait des taux de 25 à 30% de récidive d'incontinence après un accouchement par voie basse, on oublie ? Oui. C'est pas ce qui est observé avec les bandelettes sous-urétrales. Est-ce qu'il y a une différence entre la voie transobturatrice et la voie rétropubienne ? Alors, moi, j'en ai jamais vu. J'en ai jamais lu, Renaud. Il n'y a pas assez de données. Les données sont sur des séries de 15, 20, 30 patients. Donc, les effectifs ne sont pas suffisants pour faire une différence en fonction des voies d'abord. Et si on part du principe que ça peut être l'insuffisance sphinctérienne, bien sûr, on risque d'avoir encore plus de récidives avec la voie transobturatrice, mais ce n'est pas du tout démontré. Donc en fait, dans ce que vous dites, c'est un petit peu compliqué parce que vous dites qu'il n'y a pas d'incidence finalement d'un accouchement par voie basse et terminer votre maternité avant. Alors moi, j'ai du mal à comprendre. Je pense que c'est deux idées qui ne sont pas du même âge. Jean-François, je te remercie d'appuyer sur les points où ça fait mal. Je crois qu'au fur et à mesure qu'on avance, ça reste un mystère de comment se constitue l'incontinence urinaire d'effort de la femme et son lien avec à la fois l'accouchement et la grossesse. Moi, à l'inverse, je pense que ça permet, Jean-François, de donner de l'information aux patientes et c'est pas contradictoire. Une patiente qui peut attendre sa dernière maternité pour avoir une bandelette sous-urétrale ne s'expose pas au risque de récidive de l'incontinence en rapport avec la grossesse, donc il faut quand même qu'elle ait l'information. Et à l'inverse, une patiente qui aurait une grossesse non programmée après une bandelette sous-urétrale, on sera plutôt rassurant sur les données de la littérature, donc ce n'est pas contradictoire. Mais je ne peux pas utiliser une parole assez ayatollesque en leur disant « écoutez, fuyez et terminez vos maternités, on verra après ». Non, on leur explique, mais en général, quand on leur explique, on leur donne des moyens d'attendre, on ne les laisse pas dans une souffrance importante, il faut les accompagner, il faut mettre en place des systèmes alternatifs et il ne faut pas les laisser attendre trop longtemps et bien sûr pas dans les situations dramatiques. Mais ces patientes qu'on accompagne, on n'a pas trop de problèmes pour les faire patienter un petit peu et faire la chirurgie de l'incontinence urinaire après. C'est d'ailleurs la troisième question, Xavier, qui concerne le timing entre l'accouchement et la chirurgie d'une incontinence urinaire chez une patiente très demandeuse. Donc, ça pourrait être cette patiente qu'on a laissée attendre pour la chirurgie de l'incontinence urinaire parce qu'elle voulait un troisième enfant à court terme et qui finalement a une aggravation de son incontinence après le troisième. Qu'est-ce que tu te donnes comme délai ? Je ne sais pas. Il va falloir raisonner par analogie. Ce qu'on a sur les données de prévalence de l'incontinence urinaire après l'accouchement, c'est que ça s'améliore. Et ça peut s'améliorer jusqu'à 6 mois, 1 an de l'accouchement. Donc, très certainement, c'est pas raisonnable d'opérer avant 6 mois, puisqu'on va avoir des améliorations spontanées jusqu'à 6 à 12 mois après l'accouchement. Est-ce que tu gardes, c'est effectivement ce qu'on fait, est-ce que tu gardes par contre ce raisonnement chez une patiente qui était incontinente avant la grossesse, que tu avais déjà éventuellement convaincu d'attendre son troisième accouchement? Est-ce que tu vas garder le même raisonnement ou est-ce que tu l'opéreras plus vite? Ah ben bien sûr, c'est très différent si tu l'as bilanté avant, si tu en as fait. Il n'y a pas de raison de penser qu'elle va s'améliorer dans le postpartum. La seule chose, c'est qu'on ne le fera probablement pas chez une patiente en cours d'allaitement. On le fera certainement pas dans les 3 premiers mois qui suivent l'accouchement. Donc, on va se retrouver sur des termes très similaires. Je vois Gérard qui s'agite sur sa chaise, donc je pense qu'il faut qu'on passe à la deuxième présentation parce que le temps passe. Est-ce qu'on enchaîne dans l'ordre de la diapositive, Gérard ?
Et je reprends. Oui, très bien. Je ne sais pas si Xavier est là, donc je voulais simplement dire que ces informations apportées par Xavier et par Renaud me paraissaient très intéressantes parce que je n'avais pas ces notions et je les trouve très, très importantes pour la pratique de tous les jours. C'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si Xavier Defieux est là, sinon tu peux. Je sais que Thibault est arrivé. Xavier bon. Defieux. Je n'ai pas vu Xavier, non. On va enchaîner avec Thibault, peut-être ça sera le temps à Xavier d'arriver. Bonjour Thibault. Bonjour. Donc c'est sur la prévention des complications de l'hystérectomie. Y a-t-il un moment pour choisir une date d'intervention quand l'hystérectomie n'est pas urgente? Alors je ne sais pas exactement à quoi correspond cette question. Je ne te l'ai pas posée moi-même. Je ne sais pas si le Covid est passé par là ou pas. Mais je te laisse juste de la question. Eh bien, je découvre effectivement cette question et je dois dire que quand on choisit de faire une hystérectomie, finalement… On t'entend très mal, Thibault, si tu peux parler plus fort. Vous m'entendez mieux là ou pas? Ah oui, beaucoup mieux. Quand on décide finalement de faire une hystérectomie, ce n'est pas tant qu'on s'inquiète sur les complications post-hystérectomie, mais c'est qu'il y a une indication médicale pour faire cette hystérectomie. Et finalement, la date pour choisir l'intervention va reposer principalement sur la pathologie initiale qui motive cette chirurgie. Après, je ne sais pas s'il y avait un sens caché à cette question. Non, je pense qu'on va gagner un peu de temps sur cette question. La réponse, moi, me convient. Je ne pense pas qu'il y avait je pense pas qu'il y avait de sous-questions. Donc, ce qui peut être plus intéressant pour la session d'aujourd'hui, c'est de savoir comment tu informes une patiente. Je vais un peu modifier la deuxième question. Comment informes-tu une patiente sur le risque d'incontinence après hystérectomie? Et penses-tu que l'incontinence après hystérectomie peut être prévenue par quelques techniques périopératoires ou péropératoires que ce soit? Alors, je pense que pareil, ça dépend de l'indication de l'hystérectomie. Quand on est dans un cadre de prolapsus ou quand on est dans un cadre autre que le prolapsus, les choses ne sont pas forcément les mêmes. Dans un cadre en dehors du prolapsus, les données de la littérature sont assez... vaste et dispersé avec des biais méthodologiques qui ne permettent pas de répondre forcément sur le fait que l'hystérectomie soit pourvoyeur d'une incontinence urinaire, que ce soit par urgenturie ou à l'effort. Et du coup, c'est difficile de pouvoir répondre à la question envers ces patients. Moi, je leur dis simplement qu'effectivement, il y a des patients qui malheureusement vont avoir une incontinence au décours alors que d'autres n'en ont pas, que les données sont variables dans la littérature et que je ne peux malheureusement pas répondre à leur question, mais que, en tous les cas, ça sera une question qu'il faudra se poser au décours de la chirurgie. Et en tous les cas, pour le praticien qui la réalise, c'est une question importante parce que, comme il y a des données qui disent que oui, c'est un facteur de risque, la réalisation d'une hystérectomie, bah, tant qu'à faire, autant poser les questions au post-opératoire. Peut-être que les personnes qui font des hystérectomies simples, qui ont l'habitude d'en faire fréquemment, ne posent pas forcément cette question s'ils ne sont pas sensibilisés aux problématiques urinaires. Et est-ce qu'en pratique, je te rappelle qu'on n'est pas forcément enregistré, est-ce qu'en pratique, tu informes les patientes d'un risque d'incontinence urinaire d'effort, d'incontinence par urgence, ou tu ne précises pas? En pratique, je leur dis qu'il peut y avoir des modifications de leur continence urinaire, mais que malheureusement, je ne peux pas le prédire à l'avance. D'accord. Et que du coup, on en rediscutera en post-opératoire, mais que c'est un élément important dont il faut discuter en post-opératoire. Et pour enchaîner toujours sur cette question-là, est-ce qu'une patiente qui a une incontinence urinaire d'effort modérée, qui n'est pas en soi une indication chirurgicale, comme on voit souvent, et qui a eu par ailleurs une indication d'hystérectomie pour une indication gynécologique, une adénomyose, des fibromes, des ménorragies fonctionnelles avec échec des autres traitements de première ligne, sur une incontinence d'effort modérée, qui en soi ne serait pas forcément une indication de bandelette, est-ce que tu leur fais une exploration urodynamique avant et est-ce que tu leur proposes éventuellement de profiter de l'hystérectomie pour mettre la bandelette? Alors, non, moi, je ne profite pas de l'hystérectomie pour mettre la bandelette. Je ne fais pas forcément d'exploration urodynamique. Je leur dis qu'on va faire l'hystérectomie et qu'on verra au décours de l'hystérectomie ce qui se passe parce que selon la pathologie, par exemple, les fibromes dont tu parles, on sait que les fibromes représentent une masse pelvienne qui peut modifier la continence urinaire. Donc, elles peuvent avoir finalement un schéma mictionnel qui va être un peu différent en post-opératoire. Et donc, je les encourage à faire l'hystérectomie, de voir ce qui se passe au décours. Si c'est une incontinence modérée, de toutes les manières, il y a des guidelines pour la prise en charge de ces incontinences urinaires et je commencerai par la rééducation et on verra à distance pour voir ce qu'il en est. Et ça dépendra aussi de l'altération de la qualité de vie de la patiente.
Toutes tes réponses sont raisonnables au point que Gérard ne va pour l'instant pas transmis de pion de là, donc je pense qu'on peut enchaîner. Dernière question, Thibault, toujours sur l'hystérectomie. Alors, on va se mettre dans le cadre d'hystérectomie élargie, d'hystérectomie pour endométriose, peut-être avec un risque de retentissement sur la dévimétrie. Est-ce que tu peux anticiper comment tu informes les patientes et est-ce qu'éventuellement tu leur parles d'autosondage dans des situations d'hystérectomie à risque de rétention post-opératoire? Oui, moi je fais plus d'endométriose que de cancéro, mais quand j'opère une patiente d'endométriose avec des dissections qui vont être larges, notamment sur les ligaments utérosacrés et qui vont potentiellement atteindre les plexus hypogastriques inférieurs, c'est systématique. Je pense qu'il faut leur en parler de manière systématique et je leur dis qu'effectivement il y a un risque de dysurie post-opératoire qui est présent, que cette dysurie va pouvoir être variable d'une patiente à l'autre, mais plus la lésion est importante, plus le risque va être important par une dissection qui va être plus conséquente. Et je les sensibilise de manière systématique. Alors, moi, je ne leur fais pas d'apprentissage de l'autosondage en préopératoire. Peut-être que je ne fais pas ça et que je devrais le faire, mais je les sensibilise au fait qu'elles peuvent avoir recours aux autosondages de manière transitoire ou à vie dans le cadre de ces chirurgies. À ma connaissance, il n'y a pas d'études sur l'endométriose où il y a eu une évaluation de l'apprentissage aux autosondages en préopératoire, mais moi j'avais vu une étude sur le prolapsus, des patientes à risque qui avaient des hypocontractilités détrusoriennes avant la chirurgie ou des très volumineux prolapsus. Et donc j'avais regardé, c'était une étude où ils avaient fait un apprentissage systématique aux autosondages et le résultat, la conclusion des auteurs était de dire que ça ne servait pas à grand chose parce que l'apprentissage ne va pas forcément être de bonne qualité pour l'ensemble des patientes et lorsque c'est vraiment utile, de toute façon, elles vont faire les autosondages en post-opératoire. Donc sur le métro, je ne sais pas, sur le prolapsus, il avait été démontré que ça ne servait pas à grand-chose de le faire en préopératoire. Par contre, il faut les informer, je pense. Oui, l'information est, à mon sens, essentielle chez ces patientes-là. Merci beaucoup, Thibault. On va passer à la question suivante. Alors, il y a toujours des petites surprises dans les sessions quid et les sessions de Gérard. Et donc, en fait, quelles sont les réelles indications de deuxième bandelette? C'est Renaud qui va traiter cette question. Je ne vois pas la question, excuse-moi. Alors, quelles sont les réelles indications de Michel Cosson de deuxième bandelette sous-urétrale? La question suivante, pour que tout le monde se prépare, sera pour Brigitte. Ah, très bien. Les réelles indications de deuxième bandelette. Dans la pratique que nous avons, nous, dans le service, les réelles indications de deuxième bandelette, c'est des patientes qui ont un échec ou une récidive après une première bandelette. C'est des patientes qui, bien sûr, sont demandeuses d'une prise en charge chirurgicale ou une gêne fonctionnelle importante, pour lequel il y a une hypermobilité de l'urètre avec une manœuvre de soutènement sous-urétral positive et pour lequel on fait une échographie périnéale qui permet de localiser la première bandelette. Et nos réelles indications de deuxième bandelette, c'est une patiente qui a une bandelette sous-urétrale qui non seulement n'est pas efficace, mais qui en plus n'est pas située en sous-urétral médian, mais plutôt soit trop distal, soit trop près du col vésical. Voilà, a fortiori, si c'est une première bandelette transobturatrice. Alors, est-ce que tu as une règle si la première est transobturatrice, si la deuxième est rétropubienne? Enfin, est-ce que tu as une règle sur la deuxième bandelette que tu choisis? Non, la règle est plutôt de l'évaluation échographique. Et là, je me repose beaucoup sur l'expérience en échographie de Brigitte, qui va nous dire effectivement si la première bandelette est efficace ou non, si elle est sous-urétrale médiane ou non. On aura peut-être une tendance un peu plus importante à remettre une deuxième bandelette rétropubienne si la première était transobturatrice, mais même une bandelette transobturatrice médiane efficace ne sera pas forcément une indication de deuxième bandelette. Donc, tu veux dire en fait que si on n'a pas Brigitte dans son équipe, on ne peut pas mettre de deuxième bandelette. C'est ça. Et donc, je vous encourage à nous envoyer vos deuxièmes bandelettes. Il n'y a pas de problème. On les prendra en charge. On a mis en place un staff en plus pluridisciplinaire pour ces deuxièmes bandelettes comme pour les premières. Alors, je vais vous apporter une information supplémentaire. En fait, il y a un autre élément dont il faut tenir compte avant de mettre en place la deuxième bandelette, c'est la vidange de la vessie. C'est-à-dire que si à la suite de la première bandelette, elle a toujours des fuites, une hypermobilité urétrale, mais qu'elle ne vide pas bien sa vessie, je ne suis pas sûr que la deuxième bandelette soit un bon choix. Enfin, à moins que Brigitte dise le contraire.
Bien sûr que non, mais ça, c'est comme pour toutes les bandelettes, mon cher Jean-François. Alors, une question du chat là pour les non-chirurgiens. Qu'est-ce qu'on fait de l'ancienne bandelette? Est-ce qu'on l'enlève? Est-ce qu'on la coupe? Qu'est-ce qu'on fait? Nous, généralement, lorsque la première bandelette n'est pas. Quand il n'y a pas de douleur sur la première bandelette et qu'il n'y a pas d'exposition, et qu'elle n'est pas, a priori, donc, gênante pour poser la deuxième bandelette, on ne la retire pas du tout. On la retirera en cas d'exposition, en cas de douleur. Et à ce moment-là, généralement, on fait quand même la chirurgie en deux temps. C'est-à-dire qu'on fait une chirurgie d'abord d'explantation partielle le plus souvent de la première bandelette, et on fera, dans un deuxième temps, la pose de la deuxième bandelette. Est-ce que tu fais systématiquement un bilan aérodynamique avant de mettre une deuxième bandelette? Tu as parlé d'échographie, mais est-ce que tu fais un bilan aérodynamique? Alors, ça dépend du timing entre la première bandelette et la deuxième bandelette, et ça dépend si le bilan aérodynamique initial a été fait dans notre centre ou à l'extérieur. Donc, si le bilan aérodynamique est ancien ou éventuellement fait à l'extérieur, on aura tendance à le refaire. Si c'est un échec de première bandelette avec un bilan aérodynamique récent, avant la première bandelette, et qu'on l'a fait, a fortiori si on l'a fait nous, on ne fera pas forcément un bilan aérodynamique complet, mais on fera une débimétrie avec une mesure du résidu post-mictionnel. Qu'est-ce que tu donnes comme information à la patiente sur le taux de succès? Est-ce qu'il est identique à une première, ou est-ce que tu modères un petit peu ton pourcentage? Ça dépendra de la pression de clôture et du degré d'hypermobilité cervico-urétrale. Si le degré d'hypermobilité cervico-urétrale est normal et si la pression de clôture est normale, on lui donnera des chances de succès à peu près équivalent à la première bandelette. Alors, on va passer maintenant au Birch. Est-ce qu'il y a actuellement, il reste des indications pour le Birch? On a failli en avoir beaucoup, puisqu'on est passé pas loin de l'interdiction des bandelettes sous-urétrales. Heureusement, on n'a pas fait comme les Anglais. Mais est-ce que quand même, il reste quelques indications pour cette vieille technique? On va demander ça à Brigitte. Ah ben c'est gentil. Écoute, comme on n'est pas des anglo-saxons, effectivement, des Birch, on n'en fait plus beaucoup. Je pense qu'il y a un cas où on peut discuter de l'opportunité de faire un Birch, c'est les patientes qui ont une béance cervicale importante, puisqu'on va effectivement à ce moment-là faire vraiment une cervico-pexie. Et donc, c'est encore un argument pour éventuellement une échographie préalable. Et en tout cas, ces patientes-là peuvent, à mon sens, pouvoir bénéficier de façon assez intéressante d'une colposuspension selon Birch. En dehors de ces cas-là spécifiques ou de cas où on a eu des grosses complications, on va dire après BSU avec des lésions de l'urètre ou autre, où on rechigne à mettre en place une seconde bandelette, il y a peu d'indications finalement résiduelles en France, puisqu'effectivement les BSU sont devenus la référence en termes de traitement de l'incontinence urinaire d'effort de la femme. Donc, si je récapitule ton propos, la béance cervicale, parce que c'est sûr que mettre une béance cervicale, devant une béance cervicale, mettre une bandelette sous-urétrale, on va avoir de gros ennuis, avoir des hyperactivités induites, enfin des tas de problèmes, et les antécédents de chirurgie de l'urètre. Par exemple, une érosion urétrale, tu ne vas pas remettre une bandelette sous-urétrale. Il y a peut-être quelque chose qu'on peut rajouter, c'est le diverticule de l'urètre opéré. Oui, bah ça revient à la même chose, c'est-à-dire toutes les chirurgies urétrales. Alors là, on peut discuter éventuellement les pubo-vaginal sling, on en fait très peu aussi en France, c'est-à-dire une bandelette qui ne serait pas synthétique, mais avec les tissus naturels. Ça peut éventuellement, voilà, sur ces urètres qui sont sur lesquels on ne va pas vouloir mettre en place un matériel prothétique, mais où on peut éventuellement discuter peut-être une sling autologue. Je crois que Christian Soussine est là. Est-ce que tu fais encore des Birch, Christian? Oui, alors, vous m'entendez? Oui. Oui, donc je disais que j'ai eu une indication de Birch dans les 15 dernières années. C'était une dame qui avait une arthrodèse empêchant toute position gynéco. Alors, évidemment, elle n'était pas examinable non plus. Je lui ai fait un Birch qui n'a pas marché, malheureusement. Donc, je pense qu'elle avait peut-être pas non plus une indication de bandelette. Mais enfin, voilà, donc c'était exceptionnel. Hein. C'est vrai que ces situations-là. Non, je voulais juste revenir sur l'histoire des bandelettes là, pour la mauvaise position. Parce que Renaud disait que quand les bandelettes étaient mal positionnées sous le col ou au niveau du méa,
Et moi, je trouve que c'est assez rare quand elles sont inefficaces que ces bandelettes-là ne soient pas, n'induisent pas, disons, des troubles fonctionnels supplémentaires. Et en règle générale, celles-là, je les enlève avant de poser la deuxième bandelette. Par contre, si elles sont au tiers moyen et qu'elles sont donc simplement pas assez en soutien de l'urètre, je les laisse en place et j'en mets une deuxième par-dessus. Donc sur le beurre, je vous donnais toujours les informations des troubles de vidange induits, de la possibilité de rectocèle, des résultats qui ne sont pas très bons à 10 ans quand vous en faites. Enfin, je ne sais pas combien vous avez fait de beurre depuis 10 ans. Moi, ça doit être peut-être 2 ou 3. Ah, Brigitte, tu en as fait récemment? Ah, pas du tout. Ouais. Christian, c'est vrai que donc, c'est Renaud, de... Oui, moi je te dis, c'est un beurre là en 15 ans, et puis ben, la dame, de toute façon, elle n'avait pas le choix. Hein, donc je n'ai pas, j'ai pas insisté sur ces histoires de dysurie. Si, ce qu'on cherchait, c'était à améliorer sa continence, mais ça n'a pas été le cas. C'était un beurre Célio, un beurre Laparo? Non, Célio. Célio. Non, non, moi je les ai fait en Célio après, une fois que la Célio est venue, je les ai fait en Célio. Donc on ne retourne pas à la Laparo quand même. Ben parce que quand tu regardes les séries, les résultats étaient vraiment mauvais en Célio du beurre, ouais. C'est pas très bon. C'est le problème du serrage, c'est-à-dire que les débats qu'on avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, ces réunions qu'on avait quand il y avait à l'époque des beurres, c'est savoir quelle était la tension on mettait sur les fils, si on en mettait deux fils, trois fils, etc. Donc c'est ce problème-là que tu avais en Célio, c'est que c'est la tension que tu mets en faisant des nœuds à l'intérieur ou par l'extérieur. Enfin bon, c'était... C'est tout un problème, mais... Surtout, ce qu'il fallait, c'était que ça colle, quoi, que les cul-de-sac collent bien, et donc peut-être qu'en Laparo, il collait mieux qu'en Célio, où on faisait une dissection moins importante. J'en sais rien. Enfin, c'est vrai que c'était des discussions qu'on avait il y a 20 ans qui n'ont plus beaucoup de raison d'être. On a fait un il y a 2 mois avec Vincent Cardo, même indication que Christian, c'est-à-dire une patiente qui avait 85 ans, qui avait une arthrodèse bilatérale qui était inexaminable par en bas. J'ai opéré une première fois d'une promonto Célio. Et après, elle avait une incontinence totale. Et effectivement, on l'a réopéré pour le Birch complètement à l'aveugle. Hein, c'est-à-dire qu'impossible de savoir si l'urètre était mobile ou pas. De toute façon, on suspectait qu'il ne l'était pas. Mais on s'est dit, bon, on va quand même tenter un Birch. Et elle est parfaitement continente après. Mais effectivement, c'est le seul depuis plus de 10 ans. Hein. Christian, la troisième question est plutôt urologique. Comment prévenir la dysurie post-bandelette? Non, ça ne te dit pas de répondre à cette question? Pardon, je n'ai pas activé mon micro. Non, je disais que j'accorde moi une importance au mode d'anesthésie utilisé pour la poser, de façon à permettre à la patiente de tousser normalement et de faire un réglage à l'atout. Maintenant, je sais que beaucoup de gens ne partagent pas cette opinion, mais faisant comme ça, moi, je n'ai jamais eu à détendre ou jamais eu à sectionner une de mes bandelettes depuis 1999 maintenant. Mais bon, c'est comme ça, hein. Bon. Y compris quand c'est tes internes qui le font? Alors, quand c'est mes internes, je leur fais toujours poser, placer, passer les aiguilles, mais c'est toujours moi qui fais l'ajustement. Je crois qu'il ne doit plus y avoir que toi qui fais un réglage à l'atout, non? Je ne sais pas, d'autres dans le groupe là. Jacquetin faisait ça, mais il est à la retraite maintenant, je crois, non? Qui ça? Jacquetin. Bernard Jacquetin. Mais tu penses vraiment que sous rachianesthésie, en décubitus, en position gynéco, on a une toux qui est vraiment représentative? Non, jamais de rachis. Jamais de rachis. Toujours sédation uniquement et anesthésie locale. D'accord. Bon. Ah non, surtout pas sous rachis. Il ne faut surtout pas les régler sous rachis. Là, c'est la catastrophe. Donc, il y a cet artifice, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte pour éviter ces dysuries post-bandelettes? Ben, il faut poser la question aux autres parce que moi, je n'ai pas l'expérience de l'AG ou de l'arachide, donc je ne sais pas. Ben, moi, je parlerai bien sûr des données préopératoires hein, et des données, non pas forcément du bilan urodynamique, mais au moins de la débimétrie, de la mesure du résidu et au moins de doute du bilan urodynamique avec une mesure de la phase mictionnelle. Ça, c'est un point qui me paraît extrêmement important. Et puis, il y a aussi l'apprentissage. Hein. Il y a plusieurs séries qui montrent qu'il faut quand même entre 10 et 15 bandelettes pour
pour avoir des résultats aussi bons que les gens étiquetés comme, comme experts. Donc, il y a un réel apprentissage. Mais je crois que le coût du réglage sous anesthésie, tu dois être le seul à faire ça en France. Et puis l'autre élément, Jean-François, c'est quand même encore arrivé, même des gens qui ont de l'expérience sur des patientes qui ont une mobilité relativement faible et ou qui poussent pour uriner. Une autre chose aussi qui peut se discuter, c'est de leur faire quand même une rééducation un petit peu à la miction sans pousser en préopératoire. Ça peut aussi être une façon de la prévenir indépendamment du geste chirurgical lui-même. Je suis étonné que nos rééducateurs ne soient pas intervenus d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Question du chat sur le choix entre TVT et voie transobturatrice en fonction de la pression de clôture. Quelqu'un veut dire quelque chose? Oui, TVT si la pression de clôture est basse, hein, ça c'est clair, hein, la littérature est unanime. La question était, vous les urologues, vous choisissez volontiers entre TVT et TOT en fonction des résistances sphinctériennes. Et le fait d'avoir une dysurie ou des poussées abdominales objectivées, par exemple, par une étude pression débit ou une simple débimétrie, est-ce que ça vous fait moduler votre choix entre TVT ou TOT ou une autre technique? Je crois que dans les deux cas, on risque d'avoir des ennuis et il faut probablement renoncer à la mise en place d'une bandelette sous-urétrale. Donc, il n'y a pas une chirurgie qui est plus dysuriante que l'autre. Je pensais que le TVT était plus dysuriant et que s'il y avait quelques éléments de dysurie pour des raisons X ou Y, vous allez plutôt favoriser un TOT. Alors, c'est vrai que dans les séries, il y a plus de dysurie avec le TVT, et plus aussi d'ailleurs d'urgenturie, probablement aussi du fait d'un effet obstructif un peu plus important. Mais de là à dire que tu vas choisir un transobturatrice dans cette situation, il y a un pas que moi je ne vais pas franchir. Non, pour les patientes qui ont des poussées abdominales pour leur miction, on peut effectivement les rééduquer, mais si on n'arrive pas parce qu'elles ne pourront pas uriner autrement, moi je les informe qu'il y a un risque de rétention et je leur fais un apprentissage aux autosondages et je ne les opère que si elles sont d'accord d'éventuellement s'autosonder si elles se retrouvent en rétention après. Et pourquoi pas des ballonnets périurétro? Alors après, ça peut être l'autre alternative, mais on était en train de parler des bandelettes, mais effectivement, tu as raison, on peut leur proposer les ballonnets. Hein. Après, pour rester dans les bandelettes, l'alternative serait plutôt les bandelettes ajustables. T'as qu'à ce moment-là, mettre une bandelette absolument pas serrée en péropératoire et d'ajuster la bandelette le lendemain de l'intervention ou dans les semaines qui suivent pour essayer de pas franchir le cap de l'obstruction. Mais si elle pousse pour uriner, si ta bandelette est efficace, normalement, tu vas perturber la miction. Oui, ça évite de la rendre dysurique au risque de ne pas la rendre complètement continente. Bon, tu vois, Gérard, ces quelques centimètres de tissu amènent toujours des discussions à n'en plus finir. Et je pense qu'il faut qu'on avance et on va demander à Xavier de parler de la prévention du prolapsus. Trois questions pour toi, Xavier. La cure du cystocèle dépend-elle du statut anorectal? Bon courage. Il faut que tu mettes ton micro. Mais j'ai mis le micro, mais c'est comme je ne trouve rien à répondre. La cure du cystocèle dépend-elle du statut anorectal? Qu'est-ce que ça m'inspire? À part de dépister un anisme préopératoire sur quelqu'un qui aurait un prolapsus, mais sinon je ne vois pas où vous voulez en venir avec la question. Bon, la question, je pense qu'on peut la voir peut-être plus simplement. N'hésitez pas, Renaud et Brigitte. Non, mais je te pose la question à toi, Xavier. Est-ce qu'avant d'opérer une cystocèle, tu t'intéresses au statut anorectal? J'imagine que oui. Et jusqu'où vas-tu, par exemple, chez une patiente qui aurait une constipation mixte, à la fois de transit et terminale, et une cystocèle? Jusqu'où vas-tu dans l'exploration des examens complémentaires avant la cure de cystocèle, quand bien même elle n'aurait pas de rectocèle? Est-ce que tu vas jusqu'à une exploration complète de la sphère anorectale? Est-ce que tu vas jusqu'à proposer une chirurgie d'une constipation terminale associée pour limiter les risques de récidive de la cystocèle? Moi, je le verrais plutôt comme ça, la question. Donc, dans le cas où la cystocèle serait isolée, où il n'y aurait quasiment pas de rectocèle associée, ni de... Voilà, une patiente qui a une cystocèle isolée et qui a une constipation terminale, par exemple, relativement bien équilibrée avec un traitement laxatif ou des suppositoires. Est-ce qu'avant de l'opérer de sa cystocèle, tu lui fais une défécographie ou une défécographie IRM, par exemple, pour rechercher un prolapsus interne du rectum et éventuellement pour traiter ce prolapsus interne
par une chirurgie combinée du prolapsus interne et de la cystocèle, par exemple. Ben, si elle a des symptômes anorectaux mis en évidence et qui sont importants et significatifs, oui, je le ferai. C'est-à-dire, effectivement, je l'explorerai. On lui demanderait la manométrie anorectale et effectivement une déféco-IRM, ou alors on demanderait l'avis au coloprocto pour voir si il pense que ce serait une bonne idée avant de partir pour la chirurgie. Parce que tant qu'à aller, effectivement, si on se lance sur une promonto, on pourrait imaginer que autant tant qu'à faire, traiter les deux si vraiment il y a une indication pour les deux. Mais c'est vrai que ce n'est pas non plus hyper fréquent comme situation. Mais la réponse est oui, hein. Si les symptômes sont importants, oui. Après, ça m'arrive régulièrement, comme vous tous, j'imagine, comme on pose effectivement les questions de façon systématique. C'est comme quand on demande aux gens s'ils ont mal au dos. C'est rare qu'il n'y ait pas un petit trait de constipation, voire de dyskésie, sans que ce soit des choses majeures. Et à ce moment-là, je ne lance pas forcément tout le bilan dès lors qu'il n'y a pas à toucher à l'étage postérieur. En revanche, si effectivement c'est un multicompartemental, comme c'est souvent le cas, là, je ferai le bilan même si les symptômes sont modérés. Deuxième question qui n'est pas plus simple, est-ce que la chirurgie du prolapsus dépend de l'état neurologique ? Tu l'as gâté, Gérard. Hein ? Est-ce qu'elle dépend de l'état neurologique ? Oui. Pour les patients neurologiques, elle se passera souvent ailleurs. Bon, déjà, c'est rare qu'on ait des patients majoritairement avec des états neurologiques altérés qui aboutissent dans nos consultations. En général, ils vont plutôt vers les urologues spécialisés dans la prise en charge de ces patientes-là. Après, si effectivement, ça nous arrive d'avoir des patientes qui aient des pathologies neurologiques qui entraînaient, par exemple, une vessie complètement dénervée, périphérique, et donc avec des efforts de poussée chronique, on n'envisagera pas la chirurgie de la même façon. Donc, c'est surtout sur les efforts de poussée chronique, moi, je me méfierais avant d'opérer la patiente, déjà. Également sur les troubles anorecto-associés qui sont beaucoup plus fréquents. Et donc, on sait que certains types de chirurgie du prolapsus sont plus pourvoyeurs de troubles anorectaux. Donc, ça me ferait également réfléchir, forcément. Alors, question un peu plus facile. Est-ce que tu fais un bilan hydrodynamique avant une chirurgie du prolapsus ? Alors, il m'a semblé lire des recommandations il n'y a pas si longtemps sur le bilan à faire avant une chirurgie du prolapsus. Donc, j'applique ces recommandations. Et donc, dès qu'il y a des symptômes urinaires patents ou masqués, de toute façon, il y aurait une indication à faire un bilan hydrodynamique. Et comme de toute façon, nous, le bilan hydrodynamique est facile d'accès, j'avoue qu'on le fait à chaque fois, même si on n'en attend pas grand-chose dans la majorité des cas. Puisque dans, alors, si tu ne vas pas t'en sortir comme ça quand tu dis « je n'en attends pas grand-chose », est-ce que tu peux tout à fait. Préciser alors, souvent, justement ce que tu n'attends pas. J'en attends pas grand-chose quand elle n'a pas de symptômes urinaires. Quand elle n'a pas de symptômes urinaires, j'en attends pas grand-chose. C'est-à-dire que c'est rare que ça ne va pas me contre-indiquer la chirurgie, ça ne va pas non plus me modifier ma technique opératoire pour corriger le prolapsus. En revanche, ça sera toujours utile d'avoir ça dans le dossier quand après elle aura éventuellement une incontinence de novo ou des symptômes urinaires de novo. Et c'est vrai que ce n'est pas ça souvent qui va modifier l'indication ou la technique du prolapsus. Mais après, il y a des cas où c'est très indispensable, et alors qu'il y a une dysurie associée où on hésite entre est-ce que c'est le prolapsus qui provoque la dysurie ou est-ce qu'il y a une hypoactivité d'étrus urinaires associée. Là, il y a vraiment un apport majeur du bilan hydrodynamique. Alors justement, prenons le dossier. On le fait pour rien, mais il y a des fois où c'est vraiment indispensable. Prenons le dossier d'une dame qui a une cystocèle du troisième degré, qui est dysurique, qui a en plus au bilan hydrodynamique une hyperactivité d'étrus urinaires et qui a une incontinence masquée. Qu'est-ce que le bilan hydrodynamique va t'apporter comme aide ? Donc, elle a une incontinence masquée, une dysurie et une hyperactivité d'étrus urinaires, c'est ça ? Exactement. Alors déjà, ce qu'on pourra faire, c'est une cystomanométrie permissionnelle avec un PCR en place pour voir s'il y a quand même une vidange qui est correcte. Ça pourra quand même nous aider à lui dire si après, ça a des chances de s'améliorer. Après,
sur l'hyperactivité des trusoriennes, ça peut, la découverte de l'hyperactivité des trusoriennes ne va pas nous faire contre-indiquer la chirurgie, mais peut-être elle nous fera dire à la patiente qu'elle a moins de chances, probablement, si elle a une hyperactivité vésicale associée, de voir disparaître son hyperactivité vésicale associée au prolapsus après la cure du prolapsus. Bon, ça peut apporter des éléments aussi pour dire à la patiente qu'est-ce qui risque de disparaître comme symptôme et qu'est-ce qui risque persister. Donc, dans le conseil préopératoire, là, dans ces cas-là, c'est hyper important dès qu'il y a des symptômes urinaires associés. Merci beaucoup, Xavier. On va attaquer le troisième Xavier maintenant pour parler des complications fonctionnelles de la chirurgie de l'HBP. La première question qui t'est posée, c'est de savoir si les résultats sont meilleurs dans une chirurgie de l'HBP chez un patient dysurique plutôt que chez un patient qui a des signes d'hyperactivité vésicale. Alors, bonjour à tous. Concernant cette première question, les résultats de la littérature clairement mettent en évidence une meilleure amélioration des symptômes quand on veut traiter un trouble de la vidange vésicale. Les symptômes d'hyperactivité vésicale, que ce soit l'urgenturie, la polyacurie et encore plus la nicturie, sont partiellement améliorés par la chirurgie de l'HBP, avec la nicturie qui est très très marginalement améliorée en général. Et on ne va pas traiter une nicturie la plupart du temps en réalisant une chirurgie de désobstruction de l'HBP. Il faut retenir grosso modo que 50 à 60% des patients qui ont une hyperactivité vésicale et qui vont avoir une chirurgie de désobstruction de l'HBP ou encore des symptômes d'hyperactivité vésicale au décours de cette chirurgie. Et la question qu'il faut peut-être se poser à mon sens quand on va opérer un patient ayant une hypertrophie bénigne de prostate, une chirurgie de désobstruction et qui a une symptomatologie d'hyperactivité vésicale, c'est est-ce que finalement c'est sa prostate qui est responsable de cet HAV? Est-ce qu'on n'a pas d'autres facteurs, d'autres causes, étant donné que l'HAV, on le sait, est multifactoriel. Donc c'est vraiment la question à se poser, pas se jeter sur sa prostate d'emblée, hein, comme on a pu le faire à un moment, on le fait moins maintenant. L'homme a aussi une vessie, il a aussi un cerveau, il a aussi un syndrome métabolique, il a aussi des troubles respiratoires, etc., qui sont tout autant de causes d'hyperactivité vésicale. Donc clairement, une hyperactivité vésicale isolée, on ne la traitera pas en désobstruant une prostate qui n'est peut-être pas obstructive. Donc se poser vraiment la question, je pense, quand on désobstrue cette prostate, de savoir si c'est bien elle qui est à l'origine de l'hyperactivité vésicale, même si ce n'est pas toujours évident, ça va être des faisceaux d'arguments en faveur ou en défaveur, à mon sens. Ces HBP avec hyperactivité vésicale ne sont pas forcément faciles à détecter parce que on ne fait pas, bien sûr, de bilan urodynamique à tous ces patients. On fait souvent une débimétrie avec un résidu, mais la débimétrie, comme ils sont hyperactifs, ils ont souvent des toutes petites débimétries pas interprétables. Alors, comment tu te sors de ça? Très bonne question. C'est vraiment la problématique du quotidien, je dirais. Comment on sort de ça? Est-ce que le patient a des troubles obstructifs, finalement? A priori, si le patient a une hypertrophie bénigne de prostate responsable de symptômes du bas appareil urinaire, il aura, en plus de son HAV, des troubles obstructifs. À mon sens, s'il n'y a pas de troubles de la vidange vésicale associés, s'il n'y a pas de plainte, si on n'observe pas, même si la débimétrie est difficilement réalisable parfois chez ces patients, de troubles de la vidange, il faut se poser la question de si l'HAV n'a pas une autre cause une autre cause que cette hypertrophie bénigne de prostate. Bon, la dysurie, elle est levée immédiatement, enfin quasiment immédiatement en post-opératoire, mais à partir de quand tu considères que les symptômes d'hyperactivité vésicale qui demeurent ne disparaissent pas? Quand est-ce que tu commences à t'inquiéter? Alors, en pratique, on se laisse facilement 3 mois, hein, suivant l'HBP, en tout cas nous en pratique, hein, pour les réévaluer. On peut avoir aussi, chez des patients qui n'avaient pas d'hyperactivité vésicale avant la chirurgie, avoir une hyperactivité vésicale des novos. Donc la chirurgie peut aussi, hein, par un effet irritatif, entraîner une symptomatologie d'hyperactivité vésicale. Il faut se laisser le temps, après cette chirurgie, effectivement, de réévaluer les patients, probablement aux alentours de 3 mois. C'est un ordre de grandeur, il n'y a pas de règle, mais se laisser ce temps-là au moins pour refaire le point. Est-ce que, Xavier, dans ta chirurgie de désobstruction que tu vas choisir, sur un patient qui est dysurique et qui a d'importants signes d'hyperactivité vésicale, eh bien, tu vas choisir une technique de désobstruction plutôt qu'une autre?
Alors, grosso modo, nous, on fait, pour, à Lille, hein, on fait quasiment que de l'OLEP maintenant. On fait très rarement des résections transurétrales monopolaires. Donc, dans notre pratique, on choisit peu la technique de désobstruction. On va un peu, là, de plus en plus, s'orienter vers des traitements mini-invasifs qu'on abordera tout à l'heure. Mais finalement, on ne se pose pas trop cette question du choix. Je ne sais pas si vous avez des pistes, justement, sur quelle énergie plutôt utiliser, quel type de technique. Non, mais à 45 grammes, tu fais un OLEP? Ah, d'accord, par rapport à... Mais à 45 grammes, nous, on peut être amené effectivement à faire un OLEP. Ah oui. En tout cas, aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui. Après, il peut y avoir des incisions cervico-prostatiques qu'on fait peut-être un peu moins maintenant. On le faisait plus facilement quand on avait le résecteur, on va dire, facile. Aujourd'hui, on va plus vers des OLEP, mais il y a peut-être plus une place pour ces petites prostates vers des simples incisions cervico-prostatiques. Christian Saucine se posait la question de la place des prothèses à test diagnostique et thérapeutique. On le connaît pour les patients qui sont parkinsoniens et qui ont une HBP. Est-ce qu'il y a une place aussi pour des patients non neurologiques? Notamment dans le cadre de l'hyperactivité vésicale ou dans l'ensemble? Absolument. Alors, les prothèses qui existaient jusqu'à aujourd'hui, c'était des prothèses principalement métalliques avec pour principal effet une irritation, une hyperactivité vésicale qu'on pouvait retrouver au décours de la pose de cette prothèse, des prothèses qui n'étaient pas forcément évidentes à poser, qu'on pouvait poser en consultation, mais que finalement on posait plus souvent en bloc opératoire. On a des prothèses qui sont en train d'arriver sur le marché, en silicone, probablement mieux tolérées, qui peut-être vont trouver leur place plus facilement chez ces patients, mais ça reste encore, à mon sens, à évaluer aujourd'hui. Mais on voit qu'il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là et qu'on a peut-être une nouvelle place à trouver pour cette nouvelle prothèse en termes pronostiques principalement. Alors, un des problèmes de la chirurgie prostatique, c'est effectivement l'éjaculation rétrograde. Est-ce qu'il y a des chirurgies qui ont à la fois une efficacité désobstructrice et qui permettent de conserver une éjaculation? Alors, un point important, à mon sens, on a longtemps pensé que les troubles de l'éjaculation au décours des chirurgies désobstruction étaient liés à une éjaculation rétrograde. C'est probablement en partie vrai. Mais il y a probablement aussi un trouble de l'éjaculation, une anéjaculation plutôt, je dirais, liée à une atteinte des canaux éjaculateurs au moment du geste de désobstruction. En tout cas, c'est ce qui est un peu en train d'émerger en ce moment. Et les nouvelles thérapies, on va dire mini-invasives, comme l'urolift ou le résume, qui sont censées épargner l'apex, qui sont censées épargner la zone du verumontanum, ont prouvé, en tout cas dans les dernières revues de la littérature, une atteinte minime de l'éjaculation, avec peut-être la possibilité de développer des nouvelles techniques, notamment je pense à l'OLEP, où on aurait des techniques où on épargnerait encore un peu plus la région du verumontanum pour épargner les canaux éjaculateurs et probablement diminuer en grande partie les troubles de l'éjaculation liés à cette chirurgie. En tout cas, il y a ces positionnements-là actuellement. Sauf que le positionnement du réseau, par exemple, c'est plutôt peut-être une alternative au traitement médical. Alors, oui, c'est peut-être entre traitement médical et le traitement chirurgical. Là encore, je pense qu'on est dans une question de positionnement de cette nouvelle thérapie qu'on va préciser dans les années à venir. On est peut-être entre les deux, justement. Alors, pour les petites prostates, effectivement, l'incision cervico-prostatique, c'est seulement 10 à 15% de troubles d'éjaculation, Gérard. Hein. Donc, ne laisse pas grossir ta prostate. Et quels sont les facteurs de risque d'une incontinence post-chirurgie de l'hypertrophie bénigne de la prostate rapidement, parce que qu'on laisse un peu de place. On va faire assez vite. On peut être dans un contexte d'hyperactivité vésicale de nouveau, on en a un tout petit peu discuté, mais on peut être aussi dans le contexte plutôt d'insuffisance sphinctérienne. On l'a vu avec l'arrivée de notamment des nouvelles énergies du OLEP avec un taux d'incontinence assez élevé au début. Maintenant que les techniques sont standardisées, on se rend compte que cette incontinence, elle est finalement souvent transitoire et qu'elle est beaucoup moins prévalente au décours de la chirurgie. Donc, il y a probablement en effet de la standardisation de la technique et une notion de courbe d'apprentissage pour épargner la région du sphincter strié. Ce qui ressort dans la littérature, en gros, c'est le volume prostatique dans ces incontinences et la durée d'intervention et l'âge du patient.
Est-ce qu'on lève le sphincter? Est-ce qu'on démasque une insuffisance sphinctérienne qui était finalement cachée par l'obstacle que représentait la prostate? Ça, on a du mal à le dire. Dans tous les cas, c'est souvent des incontinences qui sont transitoires et qui vont s'améliorer souvent dans les 3 à 6 mois qui suivent. Merci beaucoup, Xavier. Le temps passe et donc on va passer la parole à Franck. Alors, Franck, en un an, on est capable de sortir un vaccin pour le Covid. Et voilà, ça fait des siècles que les femmes ont des infections urinaires récidivantes. Et qu'est-ce que font les infectiologues pour enfin sortir un vaccin contre les infections urinaires à répétition? Bonjour à ceux que je n'ai pas salués tout à l'heure. Vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. D'abord, je remercie Xavier d'avoir introduit cette session en disant « commencer par la meilleure partie », donc je finis par la pire. Merci Xavier de me laisser parler sur la vaccinothérapie et sur la prostatite chronique. Donc deux thématiques d'avenir, je suis certain. Comme vous le savez, la vaccinothérapie, ce n'est pas de la vraie vaccinothérapie. Et en fait, les études qu'on a, c'est entre 85 et puis 2005. Donc vous voyez, tout ça est très ancien. Et en fait, ça utilise des lyophilisa, des Escherichia coli qu'on va mettre dans un malade par voie générale ou alors par voie endovésicale pour essayer de stimuler l'immunité. Alors, ça marche un petit peu. Il y a des études de niveau 1. En tout cas, on les a marquées dans les recommandations de l'EAU. Elles ne sont pas présentes dans les recommandations de la SPILF AFU. Et si en France, on ne les a pas aujourd'hui, c'est parce que les niveaux de preuve ne sont pas assez élevés, numéro 1. Numéro 2, parce que l'AFU, par l'intermédiaire du comité d'infectiologie, a essayé de voir avec la SPILF pour faire un travail commun, pour demander aux tutelles d'avoir le remboursement, parce qu'il ne faut pas se leurrer. On a quand même certaines malades chez qui ça pourrait être intéressant. Eh bien, la SPILF a refusé en disant que non, il n'y avait pas assez de niveau de preuve et que visiblement, ça ne les intéressait pas. Donc, c'est bien dommage. Donc, heureusement, il y a quelques études en cours en France. Il y a... une étude, on est peut-être en stade 2, 1, entre 1 et 2 sur un vaccin de chez Janssen qui se fait par voie générale. J'espère qu'on va avoir une efficacité parce que franchement, aujourd'hui, mes patientes, je leur demande de se fournir en Suisse ou en Allemagne. Donc, pourquoi le vaccin anti-U est-il si compliqué? Parce que les lyophilisa ne vont pas être efficaces sur toutes les souches. Numéro 2, parce que l'efficacité, elle n'est quand même pas majeure, même s'il y a du niveau 1 aujourd'hui, c'est quand même pas du niveau de preuve qui est très, très, très élevé. Mais j'ai espoir de pouvoir l'utiliser parce que je vous assure que chez certaines malades, ça marche. Alors, deuxième question qui n'est pas simple, la prostatite chronique, c'est le cauchemar des urologues, des jeunes chefs qui commencent leur activité de consultation parce que les seniors leur balancent tout leur prostatite chronique. Est-ce que c'est un concept qui existe encore? Alors, c'est exactement la problématique. Le concept et le verbatim, je crois qu'il faut que l'on bannisse la prostatite chronique parce que ça englobe un certain nombre de patients assez pénibles pour les chefs de clinique à prendre en charge, mais pour les PUPH aussi. Et pour les PH, pareil. C'est l'enfer. Ce sont des malades qui sont quand même très gênés. Ils ont quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'ils ont. Donc, c'est nous qui ne sommes pas très bons. Et je pense qu'il faut plutôt les ranger dans un concept de syndrome pelvien douloureux chronique. Et la majorité de ces gens-là n'ont pas d'infection bactérienne. Donc, si on sort tous ceux qui n'ont pas d'infection bactérienne, il ne reste que les syndromes pelvien douloureux chroniques. Et je peux vous assurer que je n'en suis pas un spécialiste. En revanche, en ce qui concerne les vraies infections récidivantes de l'homme, on a quelques cas, effectivement, mais ce n'est quand même pas la majorité. Ce n'est pas ceux-là qui prennent le plus de temps. Ils ont souvent des résidus post-mictionnels en ce qui concerne les vieux malades ou alors des calculs. On finit par leur trouver quelques solutions quand même. Mais syndrome pelvien douloureux chronique, j'en suis désolé. Je suis à peu près du niveau d'un chef de clinique. C'est vrai que le problème du patient qui sort du cabinet d'urologue avec le diagnostic de prostatite chronique qui est appuyé ensuite par le résultat de l'échographie où on parle de calcification dans sa prostate, on a du mal après à lui sortir tout ça de la tête. Et c'est vraiment un cauchemar. Alors, troisième question qui est probablement plus facile. Est-ce que devant des infections urinaires à répétition de l'homme, il faut envisager
un geste de désobstruction cervico-urétrale. Alors là, Gérard, tu y vas un peu fort sur une prostatectomie. Mais limitons-nous pour le moment peut-être à une désobstruction cervico-urétrale. Alors, difficile. Donc, comme il n'y a pas de niveau de preuve, il n'y a pas d'études qui ont prouvé que ça marchait et que ça rendait service aux gens, on va se baser sur des niveaux d'experts. Donc, niveau d'experts, Jean-François, un expert, et puis aussi d'autres urologues présents, des experts. On va pouvoir échanger sur le sujet. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que plus on les opère, ces gens-là, plus ils sont gênés après, et que ce n'est pas une résection qui doit être la solution finale. Parce que cette solution finale ne va pas les aider, voire va les aggraver. Donc, ce n'est pour moi pas une solution. Et d'ailleurs, dans la session précédente, nous avions parlé de ces calcifications qui ne sont pas du tout des signes ni d'infection, ni des indications à les opérer. Donc, pas d'IRM systématique et puis pas de dogme. C'est une calcification, c'est donc une prostatite chronique. Je vais donc le réséquer car ça ne marche pas. En revanche, la prostatectomie, j'avoue m'être posé la question plusieurs fois pour rendre service à un malade parce que je savais qu'en réséquant, je ne leur rendais pas service. Je me suis posé la question de faire une prostatectomie quand même. Je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais osé. Et vous ? Non, mais on a vu quelques dossiers en expertise. Ah. Moi, je ne partage pas ton expérience. Franck, j'ai quelques patients qui avaient une HBP, comme ça, avec des prostatites chroniques à répétition. Et le fait de bien réséquer la prostate, alors, il faudrait théoriquement réséquer la zone centrale, qui est celle qui est intéressée par les prostatites, mais a pu apporter une amélioration, une diminution du nombre d'épisodes, voire une disparition des infections. Hein. Je ne pense pas qu'on puisse être aussi catégorique. Il faut se méfier, effectivement, mais c'était un peu l'objet de mes remarques hier sur le patient qui était sclérosé en plaques avec des diverticules, où je disais que je pense qu'il y avait peut-être une place pour la chirurgie. Mais c'est, dans ces cas-là, je trouve que c'est l'examen le meilleur, c'est la fibroscopie. Et c'est très subjectif, mais si on a l'impression qu'il y a une obstruction, je pense qu'il y a toujours intérêt chez l'homme quand même à désobstruer. Ah oui, oui. Et Christian, ces malades chez qui il y a eu vraiment un bénéfice, c'était vraiment des patients qui avaient des infections récidivantes bactériennes. C'est ça. Non. Des prostatites à répétition aiguës, des prostatites aiguës à répétition. Hein. Pas ce qu'on appelle le syndrome de la douloureux pelvien chronique. Hein. D'accord, entièrement d'accord. Enfin, que pour tout le monde soit bien d'accord, s'il y a un trouble de vidange, c'est quand même un argument pour réaliser un geste de désobstruction. Bien sûr. Tout le monde est d'accord là-dessus. Certification doit être... Je crois qu'il faut qu'on arrête. On va passer donc la parole à la session suivante.